J'avais oublié ça. Vous voyez, la belle vie, finalement, c'est quoi, j'ai envie de vous dire? C'est de se lever au petit matin, dans son hôtel 4 étoiles, bien entendu payé avec l'argent des abonnés toujours, se faire une petite tartine de Nutella, voilà, briochée bien sûr, avec un petit café. Il est délicieux. J'en ai partout sur les mains. Et tout ça, mesdames et messieurs, face à la mer. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter la Bretagne. Eh ouais, ils ont des chapeaux bas, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Eh ouais, exactement, on est en Bretagne. Mais pas dans n'importe quel coin de la Bretagne. Non. Nous, on est vraiment sur la pointe du Finistère, c'est-à-dire l'endroit le plus à l'est de la Bretagne. On va essayer de prendre des belles prises de drone. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Allez, c'est parti. Moi, je vais finir ma tartine de Nutella et on y va, let's go. Re, mesdames et messieurs, et re-bienvenue en Bretagne. Eh ouais, on est toujours sur la pointe du Finistère. Attends, je vais monter là-dessus, un truc de malade. Aujourd'hui, on est à Camaret-sur-Mer. Et là, on va aller visiter un petit coup là-bas. Voilà, il y a des tours Vauban et tout, donc ça va être bien cool. Allez, let's go, c'est parti. Il faut du souffle quand même pour faire ça. C'est un truc de fou, hein. Ça fait longtemps que vous soufflez, madame? Elle en peut plus, là. Là, elle en peut plus, elle est à bout, ça se voit, là. Ça c'est fini, maintenant. Eh ouais, c'est aussi ça, la Bretagne. Vous voyez, il y a des flûtistes. Et en tout cas, vous jouez super bien. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, prions. On est dans le saint lieu. Voyez ce cierge? Je l'ai allumé pour vous, spécialement dédicace. Eh ben, je peux vous dire que celui qui s'est amusé à faire ça, il avait du temps de libre. Eh bien les gens, nous sommes actuellement en direct d'une fortification Vauban qui se trouve juste derrière moi. Et franchement, c'est juste magnifique, il y a vraiment des très beaux paysages. Petite dédicace aux Bretons, si vous nous regardez, dédicace à vous, les Bretons, les Bretonnes. Bon, mesdames et messieurs, c'est le grand saut. Si je le crache, je vous le dédicace. Hop là, petite pause les gens, juste pour vous dire que je vais pas pouvoir vous montrer toutes les prises de vue que j'ai faites au drone, parce qu'en fait j'ai survolé involontairement un bâtiment interdit, un sémaphore. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est dans la vidéo. En tout cas, je vais pas pouvoir tout vous montrer et je trouve ça quand même bien dommage, parce qu'il y avait vraiment des endroits super magnifiques. Atterrissage imminent. Merci, merci public, merci, merci. Hop là, sans transition, mesdames et messieurs, on se retrouve là en direct de la pointe de Pénir, toujours sur la côte ouest de la Bretagne. Et franchement, c'est juste derrière moi un décor de carte postale. Hello. Ah, il y a un monsieur qui vient de faire coucou. Hello, hello. Voilà, tranquille, il a cru que je faisais un reportage pour TF1, normal. On se retrouve au bout de la pointe et on va sûrement faire voler le drone un petit peu.
Allez, vas-y, on est parti pour graver une petite pièce. Nouveau jour, nouvelle balade. On est aujourd'hui sur la pointe du Raz, toujours sur la côte extrême ouest du Finistère. La pointe du Raz, le Bégar Raz, comme on l'appelle en Bretagne. Donc aujourd'hui, les gens, je pense que je vous l'aurais expliqué un petit peu avant. J'ai eu quelques soucis pour les vols avec le drone. J'ai pas pu le faire voler n'importe où en fait. Et il y a un sémaphore pas loin. Donc un sémaphore, qu'est-ce que c'est en fait? On peut appeler ça... C'est une base militaire qui travaille avec la marine nationale. Plus ou moins, on va appeler ça comme ça. Et en fait, si vous voulez, les vols de drones sont interdits, quoi. Donc, je vais vous filmer des endroits bien sympathiques. On va faire ça à la caméra, tranquillement. S'il y a moyen de faire voler le drone, je demanderai, j'irai me renseigner au sémaphore. Et sinon, j'incorporerai dans la vidéo des images de drones, mais qui n'ont pas été filmées par moi. Ça pourra illustrer la vidéo. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Et comme vous le voyez aussi en Bretagne... Le temps peut changer d'une minute à l'autre. C'est dingue, hein? Antilles ou pas, telle est la question. Jolat DX va mener l'enquête pour vous. N'oublions pas que nous sommes en Bretagne, région très réputée pour la hantise. Eh ouais, à ce qui paraît, il y a une dame blanche dans le coin. Souvent des gens de dames blanches un peu partout avec moi. Bon les gens, on est juste devant le sémaphore de la pointe du Raz. Et en fait, je me suis un peu plus renseigné. C'est un bâtiment en fait qui est relié avec les bateaux de l'armée de la marine nationale. Et du coup, ça donne lieu à des restrictions quoi. Et on peut pas faire ce qu'on veut en fait. Pauvres pêcheurs que vous êtes, venez vous repenter devant la statue du phare de la vieille. J'ai été faire un petit tour au sémaphore. Je me suis renseigné pour mon drone. Et en fait, j'ai le droit de le faire voler sur toute la pointe, même au-dessus du phare, autour et tout, tant que je survole pas le sémaphore. Voilà, on m'a dit, il n'y a pas de problème. Et ben, c'est parti, let's go. Paraîtrait-il qu'on se trouve devant le phare le plus hanté de France? Alors, un faux ou un tox? À vous de me le dire. Le phare de la vieille. Ça sonne un peu comme une hantise tout ça, non? Vous trouvez pas? Je suis sûr qu'il doit y avoir une vieille dame blanche là-dedans. C'est des sandwichs de Bretagne, ça. Ah ouais? Bah alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ça sent la Bretagne, ça sent la mer là-dedans. Et bien après l'effort, le réconfort, petite pause gourmande, on est à la biscuiterie de la Pointe du Raz. On va aller acheter des petits gâteaux de la région locale. Et si vous êtes sage, il y aura peut-être un giveaway. Eh ouais, quelques petits palais bretons perdus. On sait jamais, sur un malentendu. Bonjour, eh ben mon vieux, 140 balles de biscuits. Je crois bien qu'il va falloir que j'ouvre un Tipeee, moi. Enfin bref, on est ici, sur la pointe du Van cette fois-ci. Et je pense qu'on va pouvoir prendre de belles vues au drone. Ça risque d'être bien fort sapatoche. Tu vois, alors genre je le fais décoller là. Ah. Ah ouais, et vas-y, filme-moi en train de faire décoller le drone. Comme ça, si je le crache, on fera de la vue. Surtout, si je le crache, partagez la vidéo. Comme ça, on fera de la vue et puis peut-être qu'on va se le faire rembourser. Voilà. Et puis même si je le crache pas, partagez la vidéo quand même. Ça fait toujours plaisir. L'atterrissage a l'air de se passer en douceur, mesdames et messieurs. Nous le voyons arriver en direct. Il arrive, tranquillement. Mission accomplie. Alors là, les gens, on est à la chapelle de la pointe du Vans. C'est super joli. Après, je connais pas forcément l'histoire de la région, les histoires des bâtiments et tout. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez un petit peu ce que vous voyez. Moi, en tout cas, je prends du plaisir à découvrir des paysages avec vous. C'est des endroits où j'ai jamais été. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Parce que finalement, c'est un peu comme si on était tous ensemble. En Bretagne, il y a des marées. En Bretagne, il y a l'air salé. Il y a aussi des monts d'arrêt. Et des bois où il y a des fées. C'est là que sont les Bretons. Avec ou sans chapeau rond. On écoute leurs chansons. Et on écoute leurs ditons. Comme disait le laboureur, on ouvre en grande sa fenêtre. Si l'horizon n'est pas net, faut rester à la buvette. Comme disait le bon fermier, avant que ne tombe la nuit.